Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Vulbizio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc eh bien vous, j'espère que ça va, moi en tout cas oui. Donc aujourd'hui, eh ben on se retrouve donc pour un don de la team BJ, donc qui vient de me donner qui veut me donner là, tout ça, donc il y en a pour 10 millions à peu près. Donc excusez-moi. Donc voilà, un grand merci à lui. Donc franchement merci, hein. Voilà, bah je crois que c'est le moment d'accepter. Allez. Je sais pas, parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, regardez. Voilà, il me fait ça un petit don. C'est... Attends. Accepte. Garde. Regarde. Des cadeaux et tout. Donc... Bah voilà, franchement un grand merci à lui. Bah voilà, je sais pas trop quoi dire. Donc j'accepte. Oh putain, pas assez de pod. Et non, je rigole, c'était une vision, c'était une petite vidéo. Un peu comme ça. Donc je pense après je vais aller XP avec lui, mais ça sera une petite vidéo un peu pour me marrer. Donc voilà. Donc MXP au casse-cargo, donc franchement grand merci à lui. C'est... Donc bah, je vous reprends dès qu'il a connecté toute sa team. Viens tout de suite. Eh bien me revoilà, donc je suis avec en compagnie bah de BJ, faut que je t'appelle Baba. Donc je sais pas si le son du micro il sera super, parce que là j'ai enregistré avec Camstasia, mais d'habitude je prends avec merde, comment ça s'appelle, c'est j'ai perdu le nom, mince, Skype Record, un truc comme ça. Donc voilà, je suis plus dans le glyph. Ah non, je suis là-bas. Ah bah oui, ouais. Bah donc vous allez voir à la fin du combat, je pense que je vais faire un combat. Les pecs, ils sont vraiment énormes. C'est beaucoup plus abusé qu'Afrigos. Franchement, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire XP là-bas, tout ça, et bah allez XP là, parce que c'est carrément mieux. Ah ouais, n'empêche, t'as essayé Frigos tout à l'heure, c'était vraiment nul. Là, rien que sans châle, donc tu vas essayer de faire le châle, tu m'as dit. Mais sans châle, je prends du 2 millions 8. Bon, j'ai 532 sagesse et quelques, mais voilà. Donc ouais, aussi, j'ai préparé une... Bah, j'ai acheté une petite panoplie pour mon sacré quand il sera level 114. Donc comme je vous l'ai dit, je vais l'XP. Seul à la bourgade, donc en full sasa. Donc non, là je bouge pas de toute façon. Ok. Ouais. Putain, il y a un cascargo qui est mort. Ah oui, donc c'est ça que tu disais, faut que quand tu vas utiliser le casque cargo, faut que t'en gardes un. Ah oui, donc comme là ça le tue pas dans ton tour de jeu, ça compte pas. Ah ouais, j'avais pas capté. Donc ouais, je disais, j'ai préparé une petite panoplie sagesse, excusez-moi. Une petite panoplie sagesse pour quand il sera level 114, mon sacré. Donc là, un anneau du dragon cochon, 23 sagesse. Donc vous devez sûrement connaître Chitexpulse, donc il avait parlé d'une petite panoplie. Donc où est-ce qu'il disait la panoa A, mais j'ai vu la panoa A. Les jets sagesse, ils sont pas énormes. Et du coup, et ben vous atteignez pas une grosse grosse sagesse si vous n'êtes pas parchoté 101. Donc ce que j'ai pensé, c'est un anneau du décès, comme il l'avait dit. Donc excusez-moi pour les petits bruits à côté. Un collier du minot 44 sagesse, donc ça c'est vraiment énorme.
une ceinture du Mino 40 sagesse, des protège-tibia ancestraux 35 de sagesse, une cape du Minotaure 38 sagesse, un anneau ancestral 35 de sagesse, et une abraca ancestrale 40 de sagesse. Donc j'ai surtout optimisé la sagesse, donc avec la DD Dragodon Emerald Rousse. Bon, je sais pas, j'ai pas une Dragodon dorée, non, dorée parce que Emerald Rousse. Une Dragodon dorée, ça coûte cher, donc j'ai pas envie d'investir dans une. Ça me suffit très bien. En plus, il y a les 100 de vitalité et le petit Dofus Kawai. Donc, avec le bâton Tondata. Donc, j'ai fait un petit calcul. Avec tout ça, je vais arriver normalement à environ 540 de sagesse, 541 précisément, mais j'ai dû oublier quelques petits trucs. Donc je vais revendre mes anciens stuff, comme ça va me refaire des kamas. Donc comme vous voyez là, j'ai que 500 000, donc franchement c'est pas énorme. Donc toi t'as eu de la chance, on t'a donné des kamas, bon tant mieux. Attends, j'ai souffle là. Non, j'ai pas. Bon, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai pas souffle. Il est où le casse-cargo? Ah, il est là. Ouais. Voilà, c'est des petits combats. Je pense que ça dure à peu près 5 minutes le combat. 5-10 minutes. Ouais, bah là, je vais vous filmer un combat de toute façon. Je pense que ça vous suffira à regarder, à voir le PEX. Donc, voilà. Si je tiens à vous remercier parce qu'on atteint les 500, combien? 500, je sais plus. 523 abonnés, je crois, sur ma chaîne. Donc, non, pas 523. Oh là là. Les 423. Donc, franchement, merci à vous. C'est vraiment super. Donc, bah voilà. Bah de toute façon, il y aura ton blog, le lien de ton blog dans la description. Si vous voulez aller faire un tour, donc tu postes des articles régulièrement, donc à peu près un tous les jours. Ouais, donc c'est vraiment. Donc c'est vraiment pas mal. Un par jour, un article par jour, c'est pas mal, moi je trouve. Ouais, donc. Là, tu peux en TP1, non? Tu peux en coop 1. Jacob, non, je voulais. Attirance. Si je fais une attirance, c'est mort alors. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire un bon et intimidation avec le Yop. Quoique, c'est bon, le panda il peut tuer. Ah ouais, d'accord. Ça y est, j'ai compris. Et en fait, là, tu vas faire que de le taper et tu vas taper le casse-cargo en même temps. Ah ouais, bah ça y est. Bon, franchement, 85%, c'est bien bien comme truc. En plus, il va pas avoir le temps de re-TP quelqu'un d'autre, donc tranquille. Donc c'est vrai, tu me Ça, je parlais. sais pas ça. Mais il a trop plein de vitalité, ton Nénu. Je vais t'expliquer, j'ai commencé à mettre ça pas de combat. Ah ouais, Parce qu'elle a d'accord. rajouté pas mal de ça, donc ça passe. Ah ouais, je me disais la vache. Donc, ce sera une petite vidéo, je pense. Ouais, 9-15 minutes, je pense. Donc, voilà, pour vous un peu, pour vous avertir, mais vous dire un peu comment se porte la. Bah, mon sacré, j'allais dire la team. Bah, la team, bah, je l'explique tout simplement pas trop. Bah non, même pas du tout. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça me.
Que Parce voilà, que le je. global tue. Hé. Donc, si vous voulez faire un sacré, même un stuff sagesse level 114, je vous conseille ça. Sans bonbons, parce que là, moi j'ai un bonbon du formateur. Donc, qui donne plus 100 de sagesse, mais sans bonbons. Là, j'atteins 530 de sagesse avec un bonbon. Mais sans bonbons, au level 114, vous pouvez atteindre les 541 de sagesse. Donc, 540 minimum, je veux dire, parce que moi, ils sont pas au max partout. Il y en a où est-ce qu'il manque un de sagesse, d'autres, où est-ce qu'il manque, bah, par exemple, le Dofus, où est-ce qu'il manque 12 de sagesse. Voilà, c'est vraiment des items pas perfects, comme c'est une dragonnade que dorée, donc voilà. Je pense que vous pouvez en parchoter, vous pouvez atteindre facilement les 680 de sagesse, donc c'est vraiment pas mal. Putain, il prend cher. Faut pas que tu le tues. Je sais pas comment je vais atteindre le plus. Je vais devoir tuer le Wasta, je pense. Ou bien je vais porter le Wasta avec le panda. Moi j'ai chauffé un coco dans le. Ouais, je pense que ce que tu peux faire, c'est tu chopes le Polaï, tu le fous dans un glyph. Ah bah non, tu peux pas. Non, après ça va arrêter de cher. Non, mais t'inquiète, je vais faire un boost au team, je pense. Et je vais le terminer ou quoi. Ouais. Donc la baguette ouf chrétienne, comme je vous avais déjà parlé dans une vidéo, je crois pas que t'as les boosts. Non, t'as pas les 40 de dommages du Yop, sinon ça aurait fait vraiment des gros dégâts. Je touche plus au casque à bois. Il va crever. T'es sûr? Il a moins 59 en feu. De toute façon, ah bah non, merde. Ça fait bizarre de soigner un ennemi. J'ai cru les PM. Par contre, là, je suis un peu lent. Je sais pas pourquoi. Suis marié avec qui sur lui? Avec le Xel. Oh non. Ah bah oui, j'étais dans ton ancienne guilde avec mes autres persos. Ah ouais, c'est vrai. Bah, tu peux la quitter, je pense. Ouais, bah, comme ils sont pas abonnés, je me fais pas de soucis pour l'instant. Après, faudrait que je mette des objets sur ma sacrée. Ouais. Oui, achète d'abord ton stuff parce que. Oh, t'inquiète, il a déjà acheté mon stuff. Ouais, je pense en plus c'est des items que j'ai craftés, donc j'ai dû les payer 400 000 à peu près. Alors que quand on les voit à l'HDV, ils sont à 600 ou 700 000, donc tranquille. Je suis même du bénef. Et franchement, ce que j'étais choqué de voir, c'est à ce level-là, le collier du Minotaure, 45 de sagesse et 200 de vita. C'est carrément mieux que le truc AA. Ouais, mais t'as pas vraiment de stats, c'est juste des invocs, des résistances, et de la BP, de la vita. Et voilà, ouais, je vais attendre pas mal de PP. Comme ça, je vais pouvoir drop plein de trucs et me faire plein de kamas. Je pense que quand je me ferai chier, je bouclerai des gigants pendant 3-4 heures. Allez hop, 200 plumes, 100 ou 200 plumes, et après tu craftes des clés. Mais tu veux pas le tuer à IP Divine? Non, c'est bon, j'en fais plus, après je vais le tuer. Ouais. C'est juste que quand ça s'appelle Nini elle fait qu'un centre colon, en plus c'est eux qui sont feu qui a des feux. Ah non, c'est le poulet là des faiblesses R. Des faiblesses saut, des faiblesses feu, des faiblesses neutre. Ah ouais, t'es là loin.
Soit tu prends pas mal d'XP avec tes personnages là. C'est bon, là, elle est pleine. Bah, il a lancé. Bah, je passe. Il est presque mort le Wasta. Il te reste encore un petit peu de tour pour jouer à 9 tours, il va TP. Oh putain, le con, il est dans le glyphe. Le... Cascargot, tu veux pas se tuer. Non, Ah, non, le mais... glyph du Vicar. Ouais, le Non, glyphe. mais je vois que c'est pas du 400... Combien? Du 424. Oh, je l'ai même pas monté. Juste le problème, c'est qu'il... Ah bah il a même plus de glyphes comme ça, tranquille. Vas-y, je fais ça, j'ai pas le choix. Et là, à mon avis, les vieux drops qu'il va y avoir. Là, ça l'a dit, les... J'ai chaud, tu vois, au tour 8. Ah, ça va le tuer là. Gros, je sais pas qui va tuer les deux personnages. C'est bon, mon sacré, à mon avis, il va terminer. Putain, j'ai cru que ça l'avait tué, j'ai flippé. Non, il n'y a plus mascarade, ok. Tu les tapes tous un peu, tu les attires tous les deux, tu les fous tous les deux dans le glyphe et ils vont mourir en même temps. On voit pas trop que le casque il bouge. Ah bah parfait. C'est bien les cons. Attention, c'est la truc de la victoire. Allez hop, Charles réussit 5 millions 1. Donc quand je vous disais que l'XP est abusé, bon bah pas de coquille là, mais bon. Les vieux drops qu'il y a eu. Oh là là. Regardez ça. Donc vous comprenez que quand on a une team, on se fait trop plein de kamas. Donc, voilà, ouais, les vieux XP là, de toute façon. J'ai droppé 4 coquilles. Ouais. Coco. En même temps, t'as pas mal de prospection. Les cocos du bitou, ça se vend 11 000 km unité. Ouais. Donc là, j'ai pas regardé combien de temps il a duré le combat, mais donc je pense qu'on va pouvoir continuer un petit peu à l'XP. Donc, eh ben, moi, je vais vous laisser là maintenant. Donc, allez, ciao les gens, c'était Vulbizio. Le lien du blog de Baba, il est dans la description. Donc, allez faire un tour. Allez, bye, ciao.